La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bonjour à tous, bon, je viens d'arriver dans le Tarn 81 en Occitanie et je suis sur un lac qui est en pêche de nuit, qui a fait 10-15 hectares à peu près. J'ai un petit peu moins de 24 heures pour faire du poisson. J'ai donc un lait de corps à peu près de près un mètre. Le corps de ligne est en nylon assez fin. Un plomb, alors j'aime bien mettre assez lourd, ça fait à peu près 140 grammes. Je descends rarement en dessous. Ensuite j'ai un bas de ligne en 13 gainés assez classique, du tungstène, ici c'est dénudé, ma bouillette avec un petit maïs au-dessus, un faux maïs. Si jamais je me fais bouffer la bouillette par des écrevisses ou j'en sais rien, au moins il restera toujours quelque chose. Donc ça j'aime bien faire ça, et la bouillette qui est grattée comme d'habitude pour que ça diffuse encore plus vite. Et ce que je fais, c'est que déjà pour être sûr de ne pas en mêler, parce qu'il y a beaucoup de vent, je rajoute un petit sac. Ensuite, en fait, j'enroule mon sac et je viens piquer comme ça. Hop, voilà. Et on va lancer ça sur le spot. Allez. Donc j'ai commencé à amorcer au bait-roquette avec un petit peu le même mélange que je vous avais montré dans une autre vidéo, qui est baby corn, amorce, frolic, un petit truc qui diffuse vachement, trempé à l'eau bouillante pour vraiment que ça diffuse vite. Dessus je vais mettre deux cannes en fait sur cet amorçage bait-roquette qui est assez localisé. Je vais mettre une canne on va dire à 5-10 mètres du bas de la cassure, et une canne vraiment sur la descente, presque en bas de la cassure. Donc je pense que si les poissons passent d'un côté ou de l'autre, du coup je devrais pouvoir les intercepter. En fonction de ça, j'ajusterai mes autres cannes. J'ai deux autres cannes, une qui va pêcher je pense l'extrême bordure sous un arbre, et l'autre qui va pêcher plutôt loin en face. J'ai repéré beaucoup d'arbres immergés, un truc super joli. C'est loin, je pense qu'il y a à peu près 120 mètres. Et là je vais amorcer juste au cobra quelques billes. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Et donc je fais deux petites touches bizarres pendant la nuit, et puis plus rien. Ce matin, j'ai relancé, j'ai beaucoup galéré en fait à essayer de pêcher des spots que j'avais identifiés, mais avec le vent de travers, c'était très très compliqué. Donc j'ai insisté un petit peu sur le coup bait-roquette, et j'ai fini par faire rentrer un poisson, donc une belle carpe de, ouais, je l'ai pas pesé, mais à peu près on va dire 9 kg, bien ronde, super dodue. Ben, il fallait que je fasse un poisson dans le Tarn, et il est fait. Donc j'ai tout remballé, j'ai bien mangé, et puis là je vais repartir pour d'autres aventures. Allez, on continue. Ah, vous l'avez compris, l'idée de Carpe Tour 360, c'est vraiment pour moi de vivre une aventure avec des passionnés de la pêche à la carpe et de la pêche en général. Que ce soit des pêcheurs rencontrés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des gens qui ont des chaînes formidables, des rouleurs de bouillettes, des propriétaires, gestionnaires d'étangs, des responsables de fédérations, bénévoles d'associations, tous ces gens qui participent à notre passion. Et donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir vraiment partir tous ensemble, vivre des aventures, filmer tout ça, le mettre sur YouTube pour que justement on puisse partager avec un maximum de monde ce Tour de France complètement fou, qui a peu de chances de réussir, mais on va y aller à fond. Et voilà, et grâce au soutien de tout le monde, je pense qu'on peut faire un truc formidable et vraiment une aventure hors du commun.